1993 à 2023, la JCI Abidjan Lagune a 30 ans, 30 années de service, 30 années d'histoire. Pour commémorer l'événement, l'organisation s'est réunie le mardi 31 janvier 2023. Objectif, faire le bilan des années écoulées et projeter les ambitions pour 2023. Et 30 ans plus tard, il est plus que nécessaire de faire une légère pause, de penser ce qui a été fait et de voir l'avenir en compagnie de tous nos pionniers. Donc aujourd'hui, de manière symbolique, nous fêtons les festivités des 30 ans d'existence de notre organisation. Mais 30 ans après, nous sommes fiers. Parce que déjà, au niveau de la création, ce n'était pas facile. Il fallait réunir des jeunes venant de zones diverses pour pouvoir impacter la société et surtout développer leur leadership. Et 30 ans après, Abidjan Lagune est l'une des meilleures OLM de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire la meilleure. Et ça, c'est notre fierté. Parce que les gens ont cru en nous et nous avons réussi de génération en génération à arriver aux 30 ans. Je voudrais dire que c'est une fierté pour nous d'avoir été à l'initiative de la création de cette organisation qui aujourd'hui a 30 ans. Donc c'est une joie pour toute mère de voir son enfant grandir et de voir ce que son enfant réussit à produire. Alors donc c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Voilà qui m'anime ce soir. Notons que la Jeune Chambre internationale est une organisation dont la mission est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs.